Et bonjour à tous, c'est Yodi, et aujourd'hui je suis tellement, tellement contente de vous retrouver sur les Sims 4. Ça doit faire bien plus de 2 mois. Ouais, non, peut-être pas 2 mois quand même. Mais en tout cas, ça doit bien faire plus d'un mois que je n'ai pas pu jouer aux Sims parce que j'avais plus forcément la motivation quand j'avais le temps. Et là, maintenant que j'ai plus le temps, j'ai envie de jouer, mais du coup, le temps me manque. Donc, du coup, ça c'est comme ça. Écoutez, on peut pas toujours faire ce qu'on veut dans la vie. Où est-ce qu'on en était? On en était à Oscar, du coup, qui devait faire génie d'informatique. Oui, du coup, comme vous aurez pu le voir, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos ces derniers temps. Tout simplement parce que, voilà, j'avais un emploi du temps très très chargé. Et j'ai encore un emploi du temps très chargé. C'est juste que j'essaie de m'organiser au mieux possible. Et que j'avais vraiment vraiment envie de jouer au Legacy. Voilà. Donc, du coup, voilà, c'était la petite aparté. Je pense qu'il y aura beaucoup moins de montage sur les vidéos à venir. Parce que faut que je gagne du temps et j'ai envie de continuer le let's play. Mais j'ai pas envie non plus de le continuer avec un épisode toutes les je sais pas combien de semaines. Donc bref, Oscar va du coup finir son aspiration génie de l'informatique. Et du coup, malheureusement, je pense que j'irai pas. Ouais, non, j'ai pas eu le temps du coup de récolter vos avis pour son changement d'aspiration. Donc écoutez, je pense que je verrai un peu par moi-même au feeling. Pour ce qui en est de Nils, du coup Nils il habite avec son mari et je leur ai fait adopter 2 petites filles. Donc ça, je l'ai fait du coup avant de... La télé est cassée. Donc je l'ai fait du coup avant de les enlever en tant que foyer actif. Je pense pas que ça... Enfin ça pose pas de problème tant que ça me rapporte pas de points. Et c'est le cas, ça ne me rapporte pas de points. Je voulais juste en fait continuer la lignée. Enfin je sais pas trop comment vous expliquer mais en gros c'est ça. Du coup, Oscar, faut qu'elle joue, enfin qu'elle soit encore 2 heures sur l'ordi. Sauf qu'elle doit aller au travail, Oscar, le boulot. S'il te plaît, merci. Toi, mission spatiale, c'est terminé. Il travaille dans 6 heures. Et donc, toi, on avait dit qu'on montrait ta logique pour pouvoir l'enseigner à Oscar. Donc, ça, je pense que. On va vraiment galérer. Ce que je vais faire. Je vais juste déplacer ça là. Vu qu'en fait on a une aura concentrée dans la chambre d'Oscar, je pense que c'est un peu plus pratique. Ah oui, aussi pour ce qui est de la maison. Ok, ça a bugué. D'accord. Pour ce qui est en fait de la maison de la troisième génération, parce qu'il faut savoir que Peter va sûrement vieillir dans pas longtemps du tout. D'accord, en fait c'est la naissance de Peter. Du coup, ce sera pas avant les vacances de Noël. Je suis désolée, mais j'aurai pas du tout le temps de construire la maison et de continuer. Donc, il faudra attendre les vacances de Noël. Voilà. Toi, du coup, dors un peu avant le boulot. Et toi, tu danses. Ouais, non, ça va être possible. Je pense qu'on va contacter un réparateur. On va contacter le service de réparation. Comme ça, il va tout réparer dans la maison et ce sera fait. On a normalement d'autres toilettes. Après, c'est vrai que j'aime bien cette maison, mais j'ai envie de changement un peu. Puis en plus, la maison que je suis en train de construire pour Peter, je sais pas si elle me plaît tant que ça. Faut que je vois encore. Toi, tu travailles dans 3 jours, donc on a largement le temps de monter la compétence pâtisserie, par exemple. Prendre une douche méditative. Parce que je vous rappelle qu'avec Marcus, notre objectif, c'est de maîtriser toutes les compétences en rapport avec la cuisine. Et on est quand même assez avancé, du coup, je pense que c'est quelque chose que l'on peut réussir. Faudrait qu'on fasse une omelette norvégienne de la meilleure qualité. Donc la meilleure qualité, je pense que c'est parfaite. Et il me semble que c'est avec la cuisine gastronomique, donc on pourrait essayer de faire ça, parce qu'on gagne un point, du coup. Et... Ouais, les deux aspirations à la cuisine au sein d'une même génération, ça va pas être possible. Cette génération là on essaiera pour une autre génération je pense de branche de la carrière culinaire. Bon là on est sur une carrière culinaire et il faudrait qu'on fasse la deuxième pour une autre génération. Je sais pas trop comment on va se débrouiller mais c'est pas grave. Alors attendez, alors j'espère que le micro est bien placé aussi et qu'on m'entend bien. Je suis pas sur le bureau où je tourne mes vidéos d'habitude. Et pas en tout cas avec le micro, et du coup, j'espère que ça ira. Ok, on peut faire ça.
Oula, j'ai un freeze d'écran. Je sais pas si vous qu'on fasse en format groupe ou en format. Ouais, on va peut-être le faire en format groupe. T'en es où? Niveau 7, je sais même pas si on va réussir quoi. Par contre, j'ai l'impression que les Sims maintenant, certains sont de face. Enfin, il y a eu des changements sur le jeu, ça fait un moment que j'ai pas joué, j'avoue qu'il y a beaucoup de changements. C'est comme, je vous avais parlé, il me semble, d'un let's play sur les animaux, et je sais même pas si je pourrais le faire quoi. Il y a tellement une marge entre ce que je veux faire et ce que je peux faire que du coup, c'est assez compliqué à gérer. Tu nous l'as fait bien. Manga. Là, il est pire qu'inspiré, il n'y a pas de raison, même s'il est fatigué, en fait, il est tellement inspiré que ça passe au-dessus. Qui t'appelle? Kalem se demande si je veux venir chez lui. Non, c'est bon. Connaisseur Rex. Faire atteindre le plus haut niveau de la compétence cuisine gastronomique à un Sims. Mais on l'avait déjà fait ça! Alors, je sais pas pourquoi on a eu ça, mais on l'avait déjà fait. Alors, on est où là? Excellent. Je sais pas si excellence c'est le plus haut niveau. Je vous avoue que je suis sûre de rien. Non, il va aller dormir, écoutez. Je vais vérifier vite fait sur mon téléphone. Ah, les gosses sont rentrés, alors attendez. Par contre, on a tout en excellent en fait. Il n'y a pas plus haut. Donc écoutez, je pense que excellent c'est bon. Donc avoir réalisé une omelette norvégienne de la meilleure qualité qui existe, du coup on l'a réalisé, donc ça c'est cool. Ça nous fait un point en plus pour le défi. Et du coup c'est cool, j'aime bien faire des épisodes où quand même je gagne un peu des points parce que sinon j'ai l'impression que je ne fais rien. Du coup, toi t'es très tendu et du coup tu fais du yoga, bah c'est une bonne initiative, écoute. Toi faut qu'on... Oh oui, faut qu'on organise son anniversaire, je viens de percuter là tout de suite. Et du coup on n'a même pas trouvé de copine, je suis dégoûtée. Bah du coup Kira, c'est pas grave, Kira, on fera en sorte que tu sois un séducteur. Oscar, elle est fatiguée. Elle travaille bien, Oscar, ou pas? Ouais, t'aurais pu faire mieux quand même. Bon. Du coup. Pourquoi tu te traînes comme ça? Luc commence le travail dans environ 1 heure. Kira a terminé l'école pour aujourd'hui. De B. Mince, il est pas allé plus haut que B. Bon, vous me direz, c'est pas si mal que ça en fait. On a vraiment connu pire dans la famille. Là, du coup, on n'aura pas de trait de caractère. Bah écoutez, c'est pas si mal que ça. J'ai envie de dire. Le revient quelque part. Alors, non. Non, non, non. Par contre, du coup, Peter, ouais, mais en plus, il est fatigué. Ça tombe toujours hyper mal. Les anniversaires et tout, c'est vraiment hyper saoulant. Et on va pouvoir organiser un événement social. Et tu vas organiser ton anniversaire, voilà. Si un événement de prestige. Convive. On invite tout le monde. Le problème, c'est qu'on connaît pas de filles. Ah oui, du coup, j'ai relooké aussi les enfants de Kalem. On va les inviter. Mills. On peut inviter les fantômes maintenant? C'est assez étrange. Bah du coup je pense que c'est bon. Non on fait ça chez nous, hein. On va pas... Pourquoi est-ce qu'on peut pas faire ça chez nous? Parce que j'ai pas pris anniversaire peut-être. C'est peut-être pour ça. Pourquoi il me demande Oscar? Attendez, Oscar elle est beaucoup trop jeune pour vieillir, vous êtes fous. Oui, Jeanne. Nils. Kabir. Je pense que là c'est bon. Et là, on fait ça chez nous.
résidence Johnson. Parce que du coup, il y a celle-ci, et là, c'est l'appartement de Nils qu'on pourra aller voir peut-être un jour. Non, il manquera pas le travail. Tac, donc, on est parti pour un anniversaire. Pourquoi je suis en vitesse x3, je ne sais pas. Donc on va descendre par ici. Raconter des blagues. Faire écouter la chaîne Ifi à plusieurs Sims en même temps. J'ai l'impression que les intitulés ont changé. Peut-être que c'est... Donc ça, c'est leur cousine. Qui s'appelle Jeanne, du coup. Et je trouve qu'elle est vachement mignonne. Autant quand elle était plus petite, elle était un peu... Elle avait une tête bizarre, je trouvais. Autant là, elle est quand même assez mignonne, ça va. Et on va pouvoir souffler les bougies. Donc ça, c'est Théo. C'est le fils de Calem aussi. Et Nils avec... Kabir. C'est vraiment n'importe quoi. Franchement, à chaque fois que je fais un événement social, c'est toujours n'importe quoi. Ça en devient fatigant. Bon, on va essayer d'avoir au moins la médaille de bronze ou la médaille d'argent. Parce que là, c'est pas gagné. Peter a vieilli. Le début de l'âge adulte, au programme, responsabilité pour la vie, carrière en devenir, possibilité infinie. Qui a dit que 20 ans n'était pas le plus bel âge? Donc du coup... Au niveau des traits de caractère de Peter, son dernier trait de caractère, c'est snob. Je pense qu'on n'a jamais eu de ce snob. Semble pas. Où c'est rangé, snob? Ah voilà, snob. Voilà. Je pense qu'on va avoir la médaille de bronze, hein. Puisque ceux-ci veulent pas se valider, je comprends pas pourquoi. Bah, c'est pas hyper hyper grave non plus, hein. Écoutez, je m'en remettrai. Donc du coup, fête d'anniversaire terminée, médaille gagnée, médaille de bronze, donc je vais le noter. Tac. Et là, actuellement, je sais plus si j'ai compté les points du mariage, je crois pas, mais du coup... 40, 50, 60... 62 points de médaille. Donc je sais pas si on a un palier ou quoi. Ah oui, effectivement, on a atteint un palier. Le palier des 60 points de médaille, donc ça nous fait un point en plus pour le défi. Et ce que je voulais recompter aussi pendant que j'y étais, parce que je vais arrêter l'épisode ici, je pense. Donc là, c'est le clocher, voilà. Je voulais recompter les potions de jeunesse. Parce que oui, je me suis rendu compte, je viens de m'en rappeler, que j'avais fait partir Nils sans prendre ses points d'aspiration. Du coup, je suis un peu deg. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 33. Et est-ce que j'en ai actuellement? Alors, Oscar, elle en a. Elle peut en prendre une. Elle est où? Elle est où? Mais attendez, on est d'accord que je l'ai prise? Ah non, là par contre, c'est pas drôle du tout, là. Ça me fait pas rire du tout, là, par contre. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Oh. Elle est pas là. Je vais voir si je prends celle-ci. Elle est là. Mais l'autre, elle n'y est pas. Alors que je l'ai bien prise, enfin, vous voyez bien qu'on m'a débité mes points. Bon, écoutez, je vais poser ce verre ici pour montrer qu'on a pris cette potion et qu'elle a disparu à cause d'un bug du jeu, je pense. Mais vous avez bien vu, en tout cas, que je l'ai prise. Donc on va voir si ça rebug. Non, et elle est là, donc je comprends pas du tout avec Oscar ce qui s'est passé. Mais c'est pas pour ça que je vais pas la compter, parce que au bout d'un moment... Enfin, on m'a débité les points et je n'ai pas la potion. Donc écoutez, en attendant que je vois ce qui se passe, si c'est un bug qui est connu ou quoi, je vais quand même noter les points de potion qu'on a. Donc on est à 35.
En attendant, prenez bien soin de vous. J'espère que tout va bien pour vous. Donc moi, je vous souhaite à tous, du coup, une bonne journée, une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye bye.